bourse, des trophées, après l'entrée des joueurs sur la glace. Nous vous remercions d'être toujours présents pour soutenir votre théâtre et bon match! Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce match des Pirates de la G. Mitchell, Francis Prudhomme, mon fidèle comparse, Michel Sabourin, fidèle au poste cette semaine. Salut, Francis. Bonjour, Michel. Content de te retrouver. Ben oui, mais c'est toi qui n'étais pas là. Hein? Eh oui. Moi, j'étais là. Donc. Oui, ce soir, les Bulls de Bradford, la troisième position dans la division sud. Qui sont en ville. Avec M. Hunter, avec 110 points au complet. Ça va être un très bon match, mais donc, comme tu voulais le signaler. Oui, donc, exactement, c'est le numéro 10, là, Hunter, à surveiller. Et dans quelques minutes, on va avoir les cérémonies d'avant-match. Honorer les joueurs les plus méritants de la saison. Oui, donc, six trophées cette année au lieu de 5. On a rajouté des catégories. Donc, on a trop d'honneur. Donc c'est ça. Alors, dans cette cérémonie, on va laisser la place au maître de cérémonie, Guillaume Gonzalez, qui va vous, du haut de son perchoir, va nous annoncer les joueurs récipiendaires de cette saison 2022-2023 des Pirates. Donc, on va lui céder la parole à ce moment-là. Donc, merci encore d'être fidèle au poste, chers partisans des Pirates, d'être à l'écoute. On salue également les partisans des Bulls qui sont à l'écoute. I want to say hi to the Bulls fans who are listening to us tonight. So thank you for being with us. Donc, les arbitres font leur entrée sur la glace. Donc, dans quelques minutes, on sera prêt pour les cérémonies d'avant du match. Et ce match est une présentation du Parc national Lopinigan. Tu m'enlèves les mots de la mouche, mon cher Michel. Tu vas être à pays. Oui, oui. Pour le lever. Les Bulls qui font leurs entrées sur la glace. Revêtu de blanc ce soir. Alors, comme tu disais, les Bulls qui sont une bonne puissance du côté du sud, donc on devrait avoir droit à un très bon match. Les Pirates qui ont visité plutôt cette saison qui se sont inclinés de ce côté-là. Oui, sur la route. Exactement, oui. Le problème sur la route pour les Pirates, c'est le manque d'effectifs. Les joueurs qui travaillent, qui sont aux études et qui peuvent pas toujours se libérer. Donc, ce soir, on va avoir un alignement presque complet du côté des Pirates, là, quelques absents. Mais le corps de l'alignement, comme on peut dire, est présent. Donc. Et François, Jean-François Girard, ton ancien collègue, qui sera là pour prendre les photos. Oui, le photographe. Alors qu'on sort le tapis rouge pour l'occasion. Alors cette année encore, grâce à nos précieux partenaires, nos Pirates sont fiers de remettre des prix d'excellence aux joueurs s'étant surpassés cette saison. Les récipiendaires se verront remettre un trophée personnalisé ainsi qu'une bourse de 100 $. Mais avant de débuter la remise des trophées, notre partenaire Construction CFR souhaitait souligner les efforts de
deux joueurs qui ont inscrit leur nom dans le livre des records des Pirates. Pour les récompenser, veuillez accueillir votre entraîneur adjoint, Nicolas Antonaf. Le premier joueur trône désormais au premier rang pour le plus grand nombre de buts marqués en saison régulière avec 42 buts en 37 parties. Et le deuxième joueur est officiellement le défenseur le plus prolifique de l'histoire des Pirates avec 43 points en 33 parties. Ils ont aussi tous les deux été nommés joueurs du mois dans la GMHL cette année. Donnez une bonne main d'applaudissement pour votre numéro 8, Jordan Trimier. Accompagné du numéro 5, Étienne Bourg. Deux joueurs qui ont beaucoup contribué au succès des Pirates cette saison, Michel. Deux joueurs très importants. Oui. On a eu la chance de décrire leur exploit tout au long de la saison, donc c'est un bel honneur bien mérité pour ces deux joueurs. Deux vétérans de l'an passé. Oui, exact. Et qui auront un rôle important en série cette saison aussi. Capitaine Xavier Gagnon qui se mérite le joueur étudiant de l'année. Xavier Gagnon, un bel exemple pour ses coéquipiers cette saison-là. Oui, pour avoir été nommé capitaine dans la première année, c'est supposé que le choix était indiscutable. Marc-André a dit, c'est lui que je veux comme capitaine. Il a bien mené les troupes cette année. Pour remettre la deuxième bourse offerte par la Miranda de Rwanda, veuillez accueillir le propriétaire et président des Pirates de Ville-Marie, Michel. Mon ancien co-animateur, oui, oui. Cette bourse est remise à un joueur qui a su prendre une place importante au sein de l'équipe grâce à ses efforts continus. À sa première année avec l'équipe, il a su saisir les occasions de se prouver et de progresser. Le récipiendaire du trophée pour le joueur le plus amélioré est remis à votre numéro 71, Nicolas Villeneuve. Produit du Drummondois, Michel, un produit local, Xavier. Ben, je regardais justement sa mère dans l'estrade VIP, puis elle, j'attendais sa réaction, puis elle ne savait pas du tout. Elle a Ouais, Bob. Citation, Nick. Oui, parce qu'elle écoute le match quand elle revient chez eux. Elle m'a texté la semaine passée pour me dire ça. Donc, on la salue, moi je la salue à 1h du matin, à Nick. Moi je la côte au hockey à l'occasion, donc j'ai développé une belle amitié avec elle. C'est remis à un joueur qui se distingue par la qualité de son jeu, son caractère et sa contribution au succès de l'équipe. Élément essentiel du désavantage numérique, il nous a aussi fait vivre de grandes émotions avec sa vitesse et sa fougue. Le récipiendaire du trophée de héros obscur est remis à votre numéro 21, Benoît Marcoux. Benoît Marcoux, le héros obscur cette année. Qui était le premier récipiendaire du héros obscur l'an passé? Monsieur S. Sabourin lui-même. Le numéro 17, c'est le seul que je me souviens. Oui, j'ai ça. Félicitations, Benoît. Oui, oui, oui. Veuillez accueillir votre entraîneur-chef et directeur général, Marc-André Collot. Cette bourse est remise à un jeune joueur qui en a surpris plus d'un à sa saison recrue. À seulement 18 ans, il a été l'élément clé de nombreuses victoires importantes de l'équipe. Le trophée de la recrue de l'année est remis à votre numéro 30, Maxime Aubette. Maxime Aubette, le gardien bleu qui nous arrive tout droit de Val-d'Or du LHPS. La recrue de l'année, bien méritée, d'ailleurs plusieurs victoires à son actif.
Oui, oui, il a été. Tu es pas, hein? Très important à chaque. Je prends des notes, moi aussi. Je fais mes devoirs, Michel, pour les entrevues d'après-match. La prochaine bourse offerte par l'Amiranda de Roland Randa sera remise par le dernier pirate à la formalité. Veuillez accueillir votre ancien numéro 4 et capitaine. C'est arrivé. Justin numéro 1 des Pirates qui mérite le trophée Pirate Attitude de cette année. Mais oui. Donc oui, quelqu'un qui est tout le temps prêt à sauter dans sur l'occasion pour aider ses confrères. Oui, comme je disais, un gars super sympathique en dehors de la glace. Là, j'ai eu l'occasion de le côtoyer. Un gars super sympathique, Émile. Et oui, un Témiscamien d'adoption qui a adopté notre région et qui s'y plaît bien. Et enfin, cette année, grâce à la clinique chiropratique du Témiscamien, nous avons décidé d'ajouter une sixième bourse. Pour vous la présenter, veuillez accueillir Dr. Vicky Kahn. Ce joueur a eu un impact tellement important sur la glace au cours des dernières saisons qu'il nous a forcé la main. On a créé un trophée juste pour lui. Son flair offensif, son dévouement, sa constance, son amour du hockey et des pirates font de lui notre joueur le plus utile. Une grosse main d'applaudissement pour votre numéro 9, Olivier! Olivier Lamotte, le joueur qui est bon à toutes les sauces, autant en défensive qu'en attaque, mais surtout avec son grand nombre de buts là, cette année. Oui, un des piliers de l'attaque là, cette saison, ouais. Encore une fois, Olivier Lamotte. Là. Un honneur complètement mérité. Un gars très humble aussi, Olivier, là, pour avoir côtoyé. Ouais. Olivier, c'est pas un gars qui s'enfle la tête, comme on dit, avec ses affaires-là, qui fait son travail. Et là, pour le succès de l'équipe, donc un bel honneur bien mérité pour Olivier Lamotte. Ben, chacun des joueurs mérite ouais, bien, oui. Les honneurs. Mesdames et messieurs, nous demandons une seconde bourse. Pour l'Union nationale par Julie. Avoir le visage des joueurs des Bulls, je pense qu'ils ne savaient pas qu'il y avait une présentation ce soir. ils ont tout compris d'un bout à l'autre. Ouais. Donc, Julie Duguay ce soir pour l'Union nationale. Il se réchauffe la voix, il sera en spectacle demain du côté de l'Audacieux. Donc, c'est ça, toi? Wow, ouais, la voix! Oui, c'est une très belle voix. C'est qui? J'ai pas... Julie Duguay, qui chante l'hymne national ce soir, donc... Assez approprié, l'hymne national. Beaucoup de tonus et d'aplomb, donc... Heureusement que c'est les non-nous qui a chanté, Michel.
Denis donc... Gauthier chantait bien. Oui, oui, oui. C'est comme au-dessus, là. Ouais. Petite coche au-dessus, oui, oui. Donc, et, on va présenter les gardiens d'office ce soir, Michel, oui? Du côté des Bulls de Bradford. Nous allons confirmer devant la filet la présence de Dominique Marquis, un gardien de 6 pieds 3 pouces, 187 livres, de Rimouski au Québec. Et du côté des Pirates, le numéro 1, Émile Beausoleil, 5 pieds 8 pouces, 160 livres, lui natif de Terrebonne au Québec. Félicitations à ses parents qui nous écoutent probablement ce soir. Et je tiens à saluer également notre ami Guy Chambou qui est venu faire un petit brin de jasette avec nous avant le match. On le salue, Guy, fidèle au poste. Alors, on disait le Ryan Hunter, le numéro 10 des Bulls à surveiller ce soir. Il était le mise en jeu face à Olivier Lamotte. Déjà beaucoup d'ambiance. Et c'est parti, bon match. Ça va à Bourque à sa ligne bleue. Bourque se déplace, la passe vers. C'est Swallow. Swallow, la rondelle qui était un peu glissante. C'est peut-être accepté justement par le numéro 23 et c'est hors-jeu. Le 23, c'est Andrew Reynolds. Donc, on est allé force-force contre force pour débuter le match. Les deux gros trios de chaque côté pour amorcer le match. Hunter qui est flanqué du numéro. Le numéro 11, c'est Dylan Bauer et le numéro. Une petite seconde, le numéro 23, Reynolds. Donc, on est lancé sur le filet de Beausoleil qui bloque de la jambière. Et les Pirates qui relancent l'attaque immédiatement. Lamotte, il visait une passe vers Henry. Là, c'est Bourque en bataille avec Hunter. Hunter, premier sur le disque. Il renvoie vers sa ligne bleue. Intercepté par Rivière. Rivière qui a tenté une passe au centre. C'est intercepté par Reynolds. En fond de zone, un échec avant d'Henry qui vient le mettre en échec. Récupère le disque vers Lamotte. Lamotte qui remet vers Henry. Deux joueurs à ses trousses. Lamotte qui remet à la ligne bleue. C'est Boucher. Boucher assez de loin qui rate un peu. Rivière qui n'a pu s'emparer du retour et est embêté. Là, la rondelle dans le coin juste devant nous. C'est repris là. Hunter et on siffle un arrêt de jeu. On dit oui, passe à la main. Oui. Aucun changement là, sur les deux. Ouais. Alors la deuxième unité ce soir, Gagnon, Brière et Chartier. Encore une fois un trio rempli d'explosifs. Ouais, il n'y a pas d'absent trop. La famille est pas mal complète du côté des Pirates. On me signalait la chance qui est absent, Saint-Amand. On a également Rupert House qui n'est pas de la partie. Mais oui, les gros trios, les gros joueurs là, qui seront pas tous présents. On a vu Marcoux qui semblait ne pas en uniforme ce soir. J'ignore la raison de probablement une blessure. Ou... Oh, là, un joueur des Bulls là, qui se prend la tête. Ça semble douloureux. Pendant ce temps-là, le jeu qui se poursuit en zone des Rattlers, des Bulls plutôt. Et là, encore une fois, on va dire passe avec la main. Le numéro 3, Graham, là, qui se tord de douleur à son banc. Je ne sais pas exactement... Ça a l'air d'être un coup à l'oreille, ouais. Ouais. Pas à la tête, à l'oreille. Il y a la visière complète, donc c'est pas les dents ou le nez ou des choses comme ça. Là. 18-41 encore, hein. Première période. Donc, déjà beaucoup d'action, Michel. Gagnant mise en jeu devant Ryan Howe. Et là, c'est bloqué par Beausoleil. Qui conserve? Un très bel arrêt de Beausoleil de la mitaine. Oui, la consigne ce soir, certain que ça doit être quand le numéro 10 est sur la glace, on le surveille. Oui, on le tient on à l'œil. On le assez short. Oui, oui, oui. Le sud Ryan Hunter qui a joué quelques matchs cette année dans la ECHL, donc niveau professionnel. Oh là, un Chartier qui a évité la mise en échec qui lui prédestinait Craig. Là, c'est Chartier qui s'empare du disque. Chartier perd le disque. C'est réglé dans le coin. Il passe dans les patins, c'est le numéro 12. C'est Calvin X. Un Suédois. Là, c'est derrière le filet de Beausoleil. C'est Brière qui s'empare du disque. Deux joueurs à ses trousses. Brière, il a reçu un bâton. On reste impuni. Là, il y a un joueur dans le gardien des Pirates. Alors, ce temps-là, Gilles Dax, c'est... s'est contenté d'un dégagement en fond de zone. Gina qui évoluerait avec Milom. Et le troisième joueur sur le trio aussi, Jordan Rochon. Là, c'est Désilé à sa ligne bleue, vers Coutu. Coutu envoie jusqu'à dans le fond de la zone, la rondelle qui circule sur la baie vitrée. Et encore là, c'est les... en zone neutre. Coutu qui renvoie, qui tentait une passe vers Rochon. Rochon, oui, renvoie dans la zone des Bulls. Donc on tourne le filet de Marquis.
Bézilet sur la bande, ça va à Rochon. Rochon dans sa zone, la passe du revers vers Gélina. Gélina qui tente la passe vers Rivière. Derrière le filet, c'est Bourque. Il a évité les mises en échec. Bourque toujours. Bourque avec un joueur à ses trousses. Bourque la passe de l'autre côté. On effectue des changements du côté des Pirates, donc la passe, il ne trouve pas preneur. Pendant ce temps-là, ça se déroule dans la zone des Bulls. Il a le long jeu. Est-ce qu'on a... Eh oui, oui, dégagement refusé. 16 minutes 32 en première période. Un jeu assez intense. Oui, c'est rapide. C'est rapide. Beaucoup de... On dit deux équipes de haut de classement, ça peut donner habituellement un bon match. Donc là, on a l'unité de Tarasevitch, Milhomme et Trottier. Le bizarre jeu, ça va aller, c'est pour dire que ça va aller à Milhomme, mais non, c'est intercepté. Oh, la solide mise en échec de Swallow! Et là, on vient le renverser par la suite. Et là, je crois qu'on appellera une position la réplique de Bredin, ouais. Je pense, ouais. La mise en échec de Swallow qui est tout à fait légal et le joueur des Bulls qui a voulu venger son coéquipier. Il a pêché les disciplines. Il devrait en principe donner un avantage numérique aux Pirates. On va attendre confirmation. En principe, c'est Bredin qui serait supposé être au cachot. Bredin, Maxwell. Je le prononce en français. Ouais, ouais. Bredin. Il vient de Saint-David, Ontario. Saint-David, je ne sais pas si c'est une communauté francophone ou pas. Là. Ma géographie ontarienne a fait défaut. Ça nous dit Saint-David en Ontario. Ah, donc, ben oui. Saint-David, c'est français, ça. Ben, ça sonne. C'est Saint-David, là. Écoute, là, ma géographie ontarienne, là, malheureusement, est limitée de ce côté-là. Alors, pendant ça, là, c'est Bourque qui a perdu le disque. La rondelle qui n'a pas suivi. Là, il est embêté par un joueur des Bulls. Bourque en pleine accélération, a remis vers... Dylan Henry d'une seule main. Contourne. Remet à la ligne bleue vers Brière. Brière remis vers Lamotte. Qui remet à Brière. Brière attendant. À Bourque. Un lancé de loin. C'est bloqué facilement du côté du gardien Marquis. Très bel arrêt de la part du gardien, les Bulls. Ouais, comme on disait, Marquis 6 pieds 3 pouces. Donc un gardien au bon gabarit. Même grandeur que Carey Price. Et voilà, monsieur statistique, c'est moi. 6 pieds 3. Appelez-le monsieur statistique. Allez, 1 minute 30 encore à l'avantage de l'été pirate. 15 minutes 52. Brière. À la ligne bleue, c'est Rivière. Rivière qui renvoie vers Henry, mais c'est intercepté. Et les Bulls qui vont d'un dégagement jusqu'à l'autre bout. C'est Beau Soleil qui remet prudemment à Bourque. Bourque freine. Attend ses options. Là, c'est Brière. Brière toujours. On tourne le filet. Essaie de trouver son joueur de marquer. Ça va jusqu'à la motte qui est intercepté avec son gant. Il laisse la touche à patin. Et on va s'amener à 2 contre 1. La motte qui va dans un bon back check, si on peut dire. Et là, les Bulls qui marquent le premier but du match en désavantage numérique. Les Bulls qui rouvrent le pointage à 15 minutes 15 secondes. Dans la première période, en désavantage, il reste encore 53 secondes à l'avantage des Pirates. Et je crois que ce sera le numéro 23 qui viendra s'inscrire au pointage, Andrew Reynolds. On va attendre la confirmation. À 4:45, numéro 23, Andrew Reynolds assisté de Josh Booker. Les Bulls qui prennent les devants. Mais les Pirates qui ont encore 53 secondes en avantage numérique pour répliquer immédiatement. Terrien à Boucher, Boucher à Terrien. Ça va à Boucher, à Chartier, il perd le disque, et encore une fois les Bulls qui vont dans un dégagement complet, jusqu'à Beau Soleil, on va remettre et on... Oh là, il a failli y avoir confusion entre les deux joueurs, et encore une fois une passe un peu risquée hein, devant le filet. On devrait se fier du côté des Pirates, on a une grosse équipe de l'autre côté. Ouais, c'était une passe à Bourque, il n'y aurait pas de danger. Oh là, solide mise en échec. Empilade. Terrien pour lui-même. Terrien à Gagnon. Pour Rochon. C'est la fin de la punition. Rochon est le grand mal à partir avec un autre joueur. Il va être... Oh, Arnott là, qui n'a pas apprécié du tout. Rentre au banc.
Ouais, petite prise de bec avec... Il connaît pas encore Rochon, lui. Les joueurs du Nord qui connaissent bien Rochon maintenant. Il récitait son chapelet en anglais. Ouais. Alors, on se contente d'un dégagement jusqu'à l'autre bout pour les Pirates. On apporte des forces fraîches. On bataille pour le disque. On renvoie dans le coin. C'est Guimond avec un joueur à ses trousses. Et là, c'est Trottier. Trottier premier au disque. Pousse pour lui-même. C'est repris par le numéro 3, les Bulls. Et on vise la longue passe et on appellera... Oui, on appellera le dégagement refusé. Aucun changement du côté des Bulls. 13 minutes 15 secondes à faire en première période. 1-0 pour les Bulls. Alors, Tarasevic à la mise en jeu. C'est remporté par Tarasevic. Vers Milhomme. Milhomme qui remet à Guimond. Guimond, c'est intercepté par un joueur bloqué en défense. Oh, là, c'est tout prêt pour le, devant le gardien. Rondelle qui est soutillante et on repart de plus belle du côté des Bulls à 3 contre 2. En entrée de zone, beau jeu en défense de Dizley. Le joueur des Bulls qui fait une chute. Et là encore, là, cette fois, c'est les Bulls qui vont dans un changement. Un seul joueur des Bulls en échec avant. Trottier visait Tarasevic. Tarasevic qui n'attendait plus la passe. On va effectuer des changements du côté des Pirates. Le joueur des Bulls qui était rentré directement à la rondelle devant encore arriver. Oui. Les enjeux en zone neutre. Donc, Rivière, Rochon et Gélinas. Donc, il est coup dessus et Bourque en défense. Et au disque, c'est le numéro 15. Solide mise en échec de Dylan Rivière. On a fait rouger un joueur des Pirates et les partisans qui ont fait manifester leur mécontentement. Et c'est Bourque. Bourque toujours. Bourque en pleine accélération. Oh! Attends, éviter le gros du contact, mais... Il a ça dans le coin. Les coups d'épaule qui se font sentir. Bonjour des Bulls qui a fait une chute, ce qui permet l'entrée de zone de Rivière. Oh, une belle feinte pour lui-même. Dylan Rivière toujours. Là, c'est Terrien qui renvoie de l'autre côté à Boucher. Boucher la passe du revers dans les patins pour Dylan Rivière qui va dans le dégagement jusqu'à l'autre bout. Qui est en fait chiffre. Oui, oui. Et qui a dû éviter le contact en même temps. On dirait qu'il touche le partant de l'officiel. Touché Rivière, cette fois c'est Jordan. Oh, un très bon lancer de la motte. Ça a été bloqué par le gardien québécois Marquis. Et on siffle. On dit que la rondelle avait sorti. Elle est sortie. Monsieur Statisticien, va bien dire. Ça a pris du temps à siffler en plus parce que les joueurs ont eu le temps de l'échanger deux ou trois fois avant que l'arbitre décide de sa décision. Donc, on prendra donc en zone neutre Lamotte, Rivière et Henri. Swallow, la passe du revers. Trouve pas preneur, ça va derrière le filet de Marquis. Hop. Lamotte, la passe du derrière. Et ça touche le filet protecteur, oui.
C'est nouveau, le bocal d'Henri? Il me semble qu'il n'y avait pas ça. Ouais, en demi-saison. On part une mode. Des fois, en fin de série comme ça, on sait que le jeu va être rapide. Je pense qu'il y avait juste Milan qui avait un bocal. Pendant ce temps-là, le jeu qui s'allonge en fond de zone. Là. Oh! Solo qui a fait une mauvaise chute. Là. Là, ça va jusqu'en zone neutre. C'est Rivière. Il a perdu 10 pour Au. Et Au, c'est le nom et non Ouch. Là. Ouais. La ligne des Beaux, on s'échange le disque. Fin de lancer. Ça va jusqu'à Beau Soleil. Les Beaux qui bourdonnent en zone des Pirates. Ça va. On visait une passe à Gagnon au centre. Swallow qui se range derrière son but. Est-ce qu'on va préparer à faire le grand V? Non? T'écoutes tous les films américains. Alors, la ligne bleue des Beaux, c'est Greg. Le lancer bloqué de la jambière par Beau Soleil. Brière à Gagnon. Gagnon. Du côté pour Chartier. Chartier le lancé. Oh! C'est un bel arrêt, mais la rondelle qui a poursuivi son chemin, mais derrière le filet. Chartier en fin de... Oh! Si c'était pas voulu, c'était bien visé. Ouais. On a pu lire sur les lèvres là, où ça a fait, où ça a cogné. Alors, beaucoup d'intensité en ce match-là jusqu'à maintenant. Là. Et on a levé le bras, qui sera le joueur puni. Un coup de coude, coup de coude pour... ouais. Les rouges ou les blancs, monsieur l'arbitre? Les blancs. Les blancs, ça semble être le numéro 15. Luke Camara. Oui, pour avoir donné du coude à 11-31. Donc, avantage numérique des Pirates à 8-29 de la première période. Brière, à la motte, vers Bourque, à Brière, lancé, bel arrêt du gardien. Les Beaux immédiatement relancent. Oh là, encore une fois, c'est dangereux. Encore une fois, les Beaux sont menaçants alors qu'ils évoluent avec des avantages. Ouais. Ouais. Rivière, à Brière, lancé, bloqué. Oh. La motte qui garde. Encore une fois, les Bulls qui ferment bien le jeu. Et la rondelle qui va chez les non-spectateurs. 1-14 à l'avantage numérique des Pirates encore. Un bon match, là. Écoute, beaucoup d'action jusqu'à maintenant. Le gros trio des Pirates sur la glace. Bon, une unité toute offensive. Ça va à Bourque à sa ligne bleue. Passe à Brière. Pour Rivière. Le coup d'œil! Olivier Lamotte! Oui, monsieur! Rivière qui réplique. Olivier Lamotte! Et là, Lamotte qui vient narguer un peu ses adversaires, là, le signe avec l'oreille là, pour les entendre parler. Alors, on vient un peu, là. Ah? On veut vous entendre. C'est une bonne guerre. Oui. C'est bon pour le show aussi, on aime ça. Donc le but accordé au numéro 9, Olivier Lamotte, assisté du numéro 8, Jordan Rivière et Jordan Brière à 12-25 de la première période. Alors, encore une fois, les Bulls qui répliquent. L'homme, c'est bon, l'entrée de zone, on devait attendre la sortie de Tarasevic. C'est Milom. Alors c'est de loin. Un retour qui a failli se retrouver sur la palette de Trottier. Alors, on va attendre la sortie des joueurs.
C'est Patton. Et là, c'est bloqué par Beausoleil qui conserve. Et salut, Nel Gardien. Côté des Bulls, là, un petit plan de match avant la mise en jeu. Burgess qui s'emmène à la mise en jeu. Ça va à Rochon. Rochon, l'entrée de zone. Fait circuler la rondelle. Ça va à Gina. Ça retourne dans le coin. Les Bulls qui repartent en zone des Pirates. On visait le 25. Ici, la sortie de zone, on pousse vers Rochon qui pousse pour lui-même, vers le disque. Ah, la Rochon qui est venu frapper le gardien, là. Il va se faire avoir, ça va la visite, c'est certain, ouais. Le joueur qui se rue sur lui. Ah, là, les gants qui tombent, Rochon, là, qui évite les coups de poing. Là. Gardien Marquis là, qui reste sur la glace. Rochon qui sera certainement, je veux dire, expulsé du match, c'est pas mal certain. Il devrait gagner immédiatement le vestiaire. Ouais, le gardien qui était sorti complètement du filet à l'arrière, mais peut-être là dire. Rochon coupe vers l'intérieur, mais n'avait peut-être pas prévu que le gardien serait dans cette position-là. De toute façon, l'arbitre avait levé la main, il avait pénalité. Oui, ouais, non, c'était certain que Rochon, ça, le joueur qui s'en est pris à Rochon également, qui regagne le vestiaire, 24, Rose, Jacob Rose, lui, un Québécois également. Un excellent batailleur, je trouve. Oui, ça, il n'a pas hésité à se jeter sur Rochon. Marquis qui semble reprendre ses esprits tranquillement, alors que le gardien auxiliaire qui s'échauffe devant nous, au cas où, juste là devant nous, sur la glace. Donc, il n'y aura pas d'avantage numérique, ça va être un 5 contre 5. Ah, peut-être un 2 de plus à Rochon, peut-être. Ah. Bon, on va voir ce que seront les décisions, mais. Non, okay, on va attendre. La garde de Rochon devrait avoir 2 punitions. Je peux faire une prédiction, Michel, les joueurs qui sont mis de tenir la tête haute pour le reste du match, d'après moi, ça va mettre un peu le feu au poudre, ces genres de jeux-là. Là. Après, je sais que c'est le gardien, il y a un combat comme ça, là, les joueurs, les Bulls. Ouais, on a 5 minutes d'afficher là, du côté des Pirates. Ouais. Donc, 2 joueurs sortis, plus un 5 pour les Pirates. Pénalité qui pourrait coûter cher aux Pirates. Hein. Exact, oui. Oh, un 2 du côté des Bulls aussi, donc ouais. Seulement un 3 minutes en infériorité. Le gardien Marquis là, qui semble quand même en mesure, je pense, de poursuivre. Là, Michel, on va. Oui, ça m'a l'air d'être. Il remet son casque, après moi. On a été surpris par le coup, là. Je pense qu'il va être en mesure de poursuivre. Là. Attention, en lançant les gants de même, il y en a un qui a pogné un 2 minutes. Alors là, au centre, les arbitres et les capitaines là, qui discutent ensemble.
Donc, pour les partisans des Bulls, là, le gardien Marquis qui est de retour dans son filet. So, for the fans of the Bulls, goaltender Marquis still on his net, able to continue the game. That's the good news. Et ton meilleur anglais, everything is okay. Oui, everything is okay. Salutations d'ailleurs aux partisans des Bulls, Chantal Lavallée, Gianluca Rizza, Frank Kimberley Harnatz. Welcome. Thanks for being with us tonight. On devrait être en mesure de reprendre dans les prochains instants. Avec le nombre de buts que le numéro 10 a, oh oui, vous pouvez l'aimer. We got, we got to have proud for the, your number 10. Yep. Ryan Hunter, là, qui est les partisans des Bulls, semble un des favoris avec raison. Donc, du côté des Pirates, on est 4. Du côté des Bulls aussi. Ça va être le 3 minutes sur l'envers, là, Michel, qui va être la goutte à partir. Et là, le retour! On peut confirmer que le gardien Marquis a repris ses sens, a bien conservé son retour. Rose, on a donné pour être instigateur. Oui, Rose, oui, qui était pas mêlé à la bataille. Puis qui... Ça va, Bourque. C'est Alton. Il une passe au centre. Ça va aller jusqu'à Rivière. Oh! Ah là, les Bulls. Là, il y a un joueur qui sort, il veut s'en prendre la bourque. La rondelle qui est revenue dans la zone payante, puis le joueur numéro 11 en a profité dans le coin gauche du but du Beau Soleil. Ah, tu vois, moi, je surveille du coin de l'œil, le bourque, il y avait un joueur à ses trousses. Donc, les Bulls qui veulent se venger de la meilleure façon en faisant un but. Dans le but accordé au numéro 12, Linus Kalvik, assisté du numéro 13, Jake Alton, et du numéro 11, Dylan Bauer, à 14:30 de la première période. À 1 pour les Bulls. 5 minutes 30 à faire en première période. Donc, comme on disait, Michel, c'est peut-être un tournant dans ce match-là. Là. On va voir ce qui va se dérouler en fin de la première période et pour les deux autres périodes par la suite. En zone neutre, Howe. On tourne des îlets, Frein, revient à la ligne 2 pour le 91. Alton, Topayton. Une fois, on va y partir dans le coin. Terrien pousse plus lui-même, la longue passe vers Brière. Brière prend son temps. On met pour Boucher, le retour qui était pour Brière. Brière qui a bloqué en se jetant le genou à terre. Il a encore une fois la motte! Il est retour pour Boucher. À la passe du revers qui est intercepté. Ça va jusqu'à Brière. Devant pour la motte, mais dans les patins à Brière. Hein? Des îles à Terrien. Oh, attends pour la motte! Oui! Bravo! Brière, la motte! On crée l'égalité ici côté des Pirates. Et l'animateur s'emporte. Ah, il a encore une fois en poignarde, là. Il arrive de haut, lui? Bon, avec ses chutes sur Brière. Ah, les joueurs, les Bulls, là, qui ont beaucoup de frustration là, après là, avoir
On a vu leur gardien être frappé, là. 91 Patton qui s'est jeté sur... Oui, qui n'a ben, pas d'affaire là. Là qui... Ah, moi, la motte qui... Je te promets qu'il va y avoir de l'action dans ce poste-là, Michel. Cligne pas des yeux. Et à la maison également, restez avec nous jusqu'à la fin. Le joueur des Bulls qui était devant la fête. La célébration, oui. Ouais. On gagne son bain, mon homme. Il n'y a pas de cheap shot là-dedans. Avec tout ça, c'est l'égalité 2 à 2 avec 4,35 à faire en première période. Est-ce qu'il y a des pénalités d'accorder pour les gestes après sifflet? Jusqu'à maintenant, du côté des Pirates, on n'a aucun joueur dans le banc jusqu'à maintenant. Du côté des Bulls non plus, je crois. Les arbitres qui se consultent. Oui, ça vient d'apparaître, oui. Le tableau vient d'allumer. Ah oui, il y a deux joueurs qui se font. Il était comme notre angle mort d'ici, là. Je crois que la motte est brillante du côté des Pirates, là. Donc, deux joueurs importants. Démêler tout ça là, pendant les Oui, une pénalité pour Olivier Lamotte, une pénalité pour Jordan Brière et du côté des Bulls pour Elsa Patton. Pour Rudess et pour s'être battu. Bon. Gros vendredi à Ville-Marie, Michel. Pardon? Gros vendredi à Ville-Marie. Oui! Deux équipes qui se sont affrontées seulement la deuxième fois, là. C'est beaucoup de... Oui, avant ça, les Bulls qui étaient dans la division Nord. Oui, qui ont... Cette année, ont été dans la division Sud. Sud, oui. C'est Gagnon. Seul de son camp. Frappé, mais ça relève aussitôt. Alors, on est 4 contre 3 en faveur des Bulls. Ouais, on va avoir un 5 contre 3 dans 14 secondes. Bloqué par au soleil qui en va dans le coin. On envoie la rondelle jusqu'à l'autre bout. Marquis qui sort de son filet. Le deuxième but des Pirates a été compté par le numéro 9. Olivier! Alors qu'on salue le but de Lamotte. Ça, c'est Hunter. Hunter qui ramasse la ligne bleue au numéro 8. La ligne bleue toujours. Ça revient au numéro 8. On connaît. Alors Hunter, numéro 8. Double retour, la Beausoleil qui se jette sur le retour. 5 contre 3 pour encore 59 secondes, 3 minutes 34 en première période. Ça va à la ligne bleue des Bulls, on s'échange le disque. Avancé vers Beausoleil. Pas une autre pénalité. Et on a, oui, je crois bien que oui. Alors ça va être quoi, 5 contre 2? Non, ils peuvent pas. Non, ça marche pas, ça, Michel. Ça, c'est juste un film des Mikey Ducks, justement. Et je crois que c'est Swallow qui va regagner le banc de punition. Du côté de nos voisins du Sud, 2-0 pour les Titans face aux Lynx de Western Pacific. Okay, présentement, la première période est déjà finie. Donc, OK. Oh, et là, je pense qu'on va donner l'arbitre là, qui s'est... je pense qu'il va donner une punition supplémentaire. Ça se corse. Moi, il va pogner un 10, d'après moi. Bon, Taylor G. Swallow pour double échec. Jordan Brière pour conduite antisportive.
Et encore une fois, là, on se pousse devant les filets. On devrait contenir ses émotions, Michel. Là, on est de nous contenir nos émotions ce soir. Oh, mais quand Marc-André fait cette face-là, c'est parce qu'il n'est pas content. Là. Mmh. Non, 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 ça c'est sûr. Non. Une fois là dans le coin, on bataille à plusieurs joueurs. Ouais, là. Oh, ça a passé tout près encore une fois. Les Bulls qui sont menaçants. Hein? Sortie de zone, là. Ça va jusqu'au gardien. Merci Hunter en entrée de zone. Prend son temps, on va jusqu'au numéro 8. Et encore une fois, on réussit le dégagement jusqu'à l'autre bout. C'est le numéro 8, c'est Booker. Encore 1 minute 47 ou 5 contre 3 des Bulls. C'est bloqué en défense. Je sais pas, c'est encore une fois bloqué, là, un beau, une belle glissade de Terrien. Et Henri qui envoie ça jusqu'à l'autre bout. Encore une fois. On effectue des changements du côté des Pirates. On apporte des forces fraîches. 1 minute 48 en première période. Oh, ça a touché le poteau. Beau déplacement de Beausoleil là-dessus. Et les partisans qui se manifestent, c'est Beausoleil qui les encourage à se manifester. Quel joueur coloré, ce Beausoleil. C'est comme ça qu'on l'a. Le retour à 5 contre 4 présentement pour une minute encore. Dernière minute de jeu. Oh, là, Bourque et je ne sais pas quel joueur sont entrés en contact. Le joueur des Beaus qui vient le saluer, gentiment, évidemment. Oui, Arnott et Bourque. Oui, ils se sont cherchés depuis un peu. Les partisans des Bulls qui sont très actifs sur le chat. Ouais. Encourage leur équipe. On encourage les partisans à faire des pirates à faire de même. Encouragez votre équipe. On va leur transmettre les bonnes ondes. Donc 53 secondes en première période. 19 secondes pour l'avantage numérique des Bulls. Arnott, fin de lancer. Et on arrête le jeu. Avec 43 secondes à faire. Deux secondes. Le retour à 5 contre 5. Alors, les Pirates qui s'en sont bien sortis. Il y a encore un joueur là, devant Beausoleil. Encore une fois, un bel arrêt de Beausoleil. Jean-Bierre, encore une fois, on vient. On se bouscule. Un des matchs là, qui a beaucoup d'intensité cette année, Michel. Écoute, là, on a vu des plusieurs matchs cette année, là, mais... celui-là, ça en est un bon. Vingt-quatre secondes à faire encore en cette période. 2-2. Le bleu. On renvoie les Pirates dans leur zone.
On évite la mise en échec. Chartier évite une deuxième mise en échec. Une troisième. Alors, les dernières secondes. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette première période. Encore une fois, on s'échange des coups. Ça n'aurait pas d'intensité là, pour les équipes qui se sont connaissent à peine. Là. C'est vraiment un match très intense. Tu remarqueras les épaulettes de Hunter. On dirait qu'il n'y a pas d'épaulettes. C'est tellement... Donc, Michel, je vais te laisser nous résumer cette première période. C'est terminé. Donc, les Bulls qui rouvrent le pointage à 4 minutes 45 secondes de la première période. Andrew Reynolds, assisté de Josh Brooker. Par la suite, la réplique des Pirates. À 12-25, un but de Olivier Lamotte, assisté de Jordan Rivière et de Jordan Brière. Par la suite, une autre réplique des Bulls à 14-30 de la première période. Oui, Linus Kalinovic, Jake Alton et Dylan Bauer. Par la suite, le même trio à 15-25 de Olivier Lamotte et Gabriel Therrien, assisté de Jordan Brière, qui viennent égaliser le pointage 2-2. Donc, match 9 pour la deuxième période. De retour dans quelques instants.
On est de retour pour la deuxième période qui va commencer dans les prochains instants. Les officiels qui sont sur la glace, les deux équipes qui feront leur entrée dans les prochaines secondes. On vous rappelle 2-2 après 20 minutes de jeu. Une première période très intense. Les Pirates maintenant qui font l'entrée sur la glace. Alors Beausoleil qui regagne sa cage. On a fait la différence jusqu'à maintenant en première période. Beausoleil a été très solide. Oui, de beaux arrêts de la part de Beausoleil. De l'autre côté aussi, là, le gardien des Bulls. Dominique Marquis. Oui, Dominique Marquis. On a fait de beaux arrêts. Oui, des beaux. De part et d'autre, les gardiens qui ont été très solides. Alors, je peux arrêter le message des deux entraîneurs dans le vestiaire, mais j'imagine qu'on a appelé les joueurs à se calmer un peu, à jouer au hockey. Alors, les Pirates, là, qui... Est-ce que vous êtes prêts? Et c'est reparti en deuxième. On est mis en jeu. Ça va dans le territoire des Bulls. Alors on va sans zone neutre. Boucher, la passe de revers est interceptée. C'est repris par Lamotte. Vers Henry. Henry à l'entrée de zone. Vizaine passe vers Rivière. Rivière, le tourniquet. Les Bulls dans leur fond de territoire. Ils échangent le disque derrière le filet. Intercepté par Henry, mais c'est repris tout de suite par Howe. Une dizaine passe dans le coin, Boucher pour ceux du disque. Dans le coin, là c'est Lamotte. Pousse pour lui-même et on laisse le juste poursuivre. Non! On appelle un dégagement forcé pour les Pirates. Alors on prendra donc dans la zone des Pirates. Henri qui salue, si m'abuse, Henri qui avait commencé la saison avec les Bulls avant qu'on fasse son acquisition. Donc, ah, ok, c'est pour ça. De l'autre côté, oui. Ah, il jouait avec un copain, là. Oui, donc encore des amis de l'autre côté. Ah, oui. C'est dans le coin. Bauer. Sauté par Rivière. Ça va à Lamotte. Lamotte. Par le disque. Ça va retourner en zone 2 à Boucher. Boucher qui renvoie les Bulls dans leur zone. Ça va Arnott. C'est toujours en entrée de zone, c'est Arnott. Il passe derrière. Ça va Reynolds. Il nous a une passe devant le filet. Ça va aller jusqu'à Milhomme. Milhomme dans le coin. Et là, on visait la passe en au centre. Ça dévie dans le coin, on bat le pour le 10, Bourke et Hunter. La rondelle derrière le filet. Ça va aller jusqu'à. Oh, Trottier qui a dû éviter la mise en échec. Ça prête à lui servir Craig. Hunter. À Bauer. Ça va dans la zone neutre jusqu'à la zone des Bulls. On se contente de dévier dans le coin. Ça va derrière le filet de Beausoleil et Bourke. Plus avec un joueur. Oh, on va les Pirates dans leur zone. Et là, on appellera une punition à Bourke. On va sûrement dire trébucher, accrocher. Oui, trébucher. Bourke qui se dirige au bain immédiatement. Le coach des Bulls qui donne ses instructions. On dit que ce qui est important, ce que j'ai compris, ma traduction libre, là, Michel, là, d'ici, là, c'est ce qui est important pour lui, c'est le tableau indicateur, c'est qu'il fallait faire des buts. C'est ce qu'il vient de lancer comme message à ses joueurs. Avec un avantage numérique, là, c'est ce que les Bulls vont tenter de faire. Beausoleil qui conserve, encore une fois, on se bouscule un peu.
Alors, Dylan Rivière, la mise en jeu devant Howe. Dessus, ça va jusqu'à l'autre bout. Largement réussi. Patton n'a pas réussi à arrêter la rondelle le long de la bande. La rondelle à 4. Ça joue du coup d'épaule. Ah, le tourniquet. Visait une passe à ligne bleue, mais il n'y avait personne. Ça va aller jusqu'à l'autre bout, jusqu'à Marquis qui sort de sa cage. Premier à Hunter. Alors, beau jeu là-dessus de Terrien avec le patin. Et là, Terrien qui renvoie jusqu'à l'autre bout encore une fois. Une minute encore à l'avantage numérique des Bulls. Terrien de rester fier. Attention, oui, il y avait un joueur derrière lui qui n'avait pas vu. Pareil comme s'il nous entendrait. Hein? Ah, ouais, non, mais... On envoie les ondes positives, Michel. On est le septième joueur. Et on est très impartial, évidemment. Booker, fin de lancer. Rémi, numéro 13. On va dans le coin, c'est Bauer. On fait faire le disque, on bataille pour le disque à 4. Les Bulls qui le reprennent à la ligne bleue, c'est Booker. Une fois bloqué, du patin, ça touche Gagnon. Et... Ah, donc, c'est pour dire dégagement chez l'autre bout, mais non. Et cette fois, c'est Julina qui s'intercepte. Julina gagne des secondes, envoie ça dans le fond. Jusqu'au gardien qui conserve, remet son 10 joueurs. Et la punition qui est terminée. Bourque est de retour. 15 minutes 37 en deuxième période. Et là, Désilet, la rondelle qui a échappé. Bauer à la poursuite. Beau jeu de Désilet. On lui remet le disque. Visa Rivière. Ça va aller jusqu'en zone neutre. Rivière à la motte. On se dispute le disque, lancé au filet. Et ce sera encore une fois un dégagement refusé. On reprendra donc dans la zone des Bulls avec 15 minutes pile à faire en deuxième période. On attendait le coach des Bulls donner ses consignes avec un ton assez fort et prononcé, contrairement à la semaine passée où on recevait Mo Manta. Oui, ton le mot. Ah, ça, c'est mon idole de coach. On ne l'a pas entendu chialer du match. Gentleman. Là, c'est un beau jeu, mais cette fois, c'est la motte. La visine passe devant, c'est intercepté par les Bulls. Intercepté. Oh, la bonne mise en échec de Coutu. Encore une fois, c'est devant la zone payante. Là. On voit les pirates dans leur zone. Coutu. Coutu évite la mise en échec. Repart avec le disque. Oh, et là, ça a failli. Ça a failli avoir les bâtons. Et Henri, là, on avait le répulsion. Je crois qu'on visait quoi, la tête d'Henri. Là, ça a été... ses anciens amis qui lui font pas de cadeau, Henri. Oui, mais il a lancé un sourire. Non, mais c'est Coutu qui sera chassé. Oui. OK, je pensais que c'était les joueurs des Bulls. Alors oui, pirate, une pénalité à Gabriel Coutu. On va dire pour... Ouais, ça s'est passé de... Obstruction. Devant nous. Oui. Deux minutes pour obstruction pour Coutu. Ça se déroule derrière la cage de Beausoleil. Hunter l'a lancé de loin, bloqué par Beausoleil. Petit coup sur Beausoleil. 1 minute 40 à la supériorité numérique des Bulls. 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 Ouais. Les taureaux, tu peux dire les taureaux, ouais, Michel? Ouais.
Patton. À Hunter. Oui. Le bloqueur. Swallow qui pousse. Et on est conservé dans la zone des pirates. Et Bull contrôle le jeu. On va tenter le petit lancer du coin. Ça va jeter Hunter. Derrière le filet des pirates. La rondelle qui est sautillante. Hunter. Oh. Encore une fois, une punition. Encore une fois, une punition pirate, Michel. Punition pirate. Oui, on a l'arbitre, il a le bras levé, l'air gardien des Bulls qui a quitté son filet. Double échec, qui sera joueur puni pour double échec. Alors, t'es des pirates, on se complique les choses. Swallow. Swallow, 2 minutes. Pour double échec. Ah, les arbitres, d'ailleurs, hein, c'est ça que... Ils n'aiment pas les équipes locales. Ah, c'est pas une job facile, je ne la voudrais pas, le job, Michel. Alors, jusqu'à maintenant, on a 102 personnes avec nous, donc merci d'être avec nous. Alors, le 5 contre 3 pour les Bulls. Gagnon, Boucher, Terrien en défense pour les Pirates sur la glace. On fait circuler rondelle, Booker, lancé, bloqué par Beausoleil, le retour, deuxième retour. On se bataille pour le disque. Terrien qui fait du bon jeu. Avec ses patins, il coule du temps, conserve la rondelle dans ses patins. Gros jeu en défensive, le Terrien qui a écoulé plusieurs secondes précieuses. Avec 4 secondes à faire à la première infériorité. Et on a une 8 à faire à la deuxième punition. Donc 5 contre 4 en faveur des Bulls maintenant. Et une autre punition. C'était une drôle de punition. Hein? J'ai pas le droit de dire ça? Moi, j'ai rien dit. Okay. Non, non, mais le joueur des Pirates avait à peine touché. Moi, je dirais qu'il y a eu un petit peu de moutarde du côté du joueur des Bulls. L'arbitre a pris décision. Et voilà. Ça. Et voilà. Alors, on devrait se défendre encore, oui. Donc, oui, on va faire encore face à un 5 contre 3. Oui, exact. Pour 59 secondes à 12-07 de la deuxième période. On voit les pirates dans leur zone. Oui, bâton élevé. Ouais. Ah, on a donné plongeon aux joueurs des Bulls. Ah oui, je savais qu'on a donné de la moutarde. Donc, pénalité à Jess Booker pour plongeon. Et voilà, moi, j'aurais dit mis de la moutarde. Bon, il faudrait l'inventer, cette punition-là. Okay, c'est pour ça qu'on est 4 contre 4. 5 contre 4, ouais. Alors, c'est Patton qui est au-dessus du filet de Beausoleil. Ça va jusqu'à Arnott. À sa ligne bleue. À Patton. Oh! Je ne sais pas si ça a été ou si ça a été directement, mais... La rondelle qui est passée entre les jambes de Désilet, ouais, pour passer... Entre les jambes de celle de Beausoleil. Donc, oui, un très beau but des Bulls. Alors, 11-48 à faire en deuxième période. Les Bulls qui prennent les devants 3-2. Donc, le but est accordé au numéro 91, Isaac Patton, assisté de Jacobs Graham.
3-2 pour les Bulls. Et là, ce sera les Bulls qui sont chassés. On a le bâton élevé au visage de Bourque. Les deux arbitres qui ont levé le bras, donc les Pirates qui, à leur tour, auront un avantage numérique ou en tout cas du moins une punition du côté des Bulls. Camara qui se dirige au ballon numéro 15. Viser la passe, la longue passe pour Hunter. Gagnon. Gagnon entrée de zone. Il contourne le filet. Viser la passe à la motte. Ça va, non, en jusqu'en zone neutre. C'est Bourque, sa ligne bleue. Bourque, on le fait perdre le disque. Hunter à l'entrée de zone. Hunter et Henry qui bataillent pour le disque. C'est repris par Henry. Derrière les filets de Beausoleil. Lamotte et Hunter. Là, c'est Lamotte. Lamotte le tourniquet. Pour Bourque. Bourque en accélération. Bourque prend la vitesse. Bourque en zone des Bulls. Contourne le filet. Cherche ses options de passe. Tente de faire ouvrir la boîte. Bourque, le tourniquet, à Lamotte, à Bourque. Bourque, c'est pour Rivière. Dans le coin! Et le but! Olivier Lamotte! Dans du chapeau de Olivier Lamotte! Je lancerais bien Mathieu que c'est à la glace, mais je ne suis pas sûr qu'il va revenir. Alors, tour du chapeau pour Olivier Lamotte. Un très beau jeu des Pirates pour ce troisième but. Donc, le joueur le plus utile de la saison, lui, Lamotte, qui complète un tour du chapeau ce soir. Et la partie qui n'est pas finie, Michel. Donc, le but accordé au numéro 9, Olivier Lamotte, assisté de Jordan Rivière et de Étienne Bourque. Étienne qui a fait la montée là, de la rondelle à toute vitesse, qui a créé l'opportunité pour ce but-là. Alors, celle-là, c'est Désilet. Il va trottier sa dévie dans le banc des Pirates. Ça va à Désilet, à Swallow, vers Chartier, Chartier mis en échec. Donc, même une bonne mise en échec de Dylan Rivière. Entrée de zone, c'est Libérate, c'est Désilet. La rondelle qui a volé, je ne sais pas trop. 9 minutes 56 en deuxième période de 3-3. Alors on prend la ronde dans la zone des Bulls. Chartier pour Désilet. C'était Désilet ou Terrier? Non, Terrier. On retourne les Bulls en zone neutre. Ça s'est bouché par le disque. C'est Bauer qui le reprend. Mais la bouchée Reynolds, là, encore une fois, bonne mise en échec. Encore une fois, c'est l'une d'un échec de Boucher. Vers Hunter a perdu le disque. Chartier, on l'a fait trébucher. Et ça resterait impuni. C'est le joueur des Bulls qui frappe. Frappe un peu partout dans le banc. Je dirais ce qui s'est passé là. Encore une fois, l'intensité qui est à son comble, Michel, ce soir.
Les enjeux, c'était Milhomme. Bourg qui est frappé solidement par Hall. Hall qui ne lâche pas, Hall qui... C'est Bourg qui a la pénalité. Hall qui s'en dirige vers le banc des punitions. Hall qui a la pénalité. Je sais Bourg qui également, mais... Ouais. Alors, Bourg et Hall qui continuent à s'insulter là, du banc des punitions. Non, il parle de vacances, il était passé. Ouais. Permets-moi d'en douter, Michel. Minute 50, deuxième période. Oh là, le retour là. Les deux minutes, Étienne Bourque pour avoir retenu et Ryan Howe pour Rudess. Alors, c'est bloqué par le gardien de but des Bulls, Barkie. Alors, c'était Guimond. Ça mène en attaque du côté des Bulls. On a qui soutient. Et on l'a fait trébucher. On fait une bonne mise en échec. Milhomme pour Tarasevitch, pousse pour lui-même. Et on va faire des changements du côté des Pirates. On faisait le long jeu. On dit que ça a dévié, donc le jeu qui se poursuit. Mission, cette fois, ce sera les Bulls. Oui, retenu sur... Pendant ce temps-là, j'écoutais le discours du coach pendant ce temps-là du côté des Bulls. T'as pas le droit de révéler ça, c'est des secrets professionnels, ça. J'ai rien dit. Ce qui se passe sur le banc reste sur le banc. Oui. Comme vous savez, on a des bons billets ici, là. On a une vue privilégiée. Et on les paye même pas. En plus. Et voilà. Donc, deux minutes du côté des Bulls. À monsieur Connor Gardiner pour avoir retenu à 12 minute 29 de la deuxième période. Donc, avantage numérique pirate. Oh là, devant le but! La bouchée. Ah, ça touche la baie vitrée. Oh, encore une fois, ça passe proche. Ça passe proche. Boucher a perdu le disque. Il faudra faire vite, là, plusieurs joueurs à ses trousses. Le soleil qui sort de sa cage. Mais Henri, il y a eu un petit peu de manque de communication entre les deux joueurs. Montel qui se retrouve en zone neutre, c'est repris par Brière. Rien qu'il y avait un 10 minutes, là, donc on aura des jambes fraîches. On veut qu'il vole dans les airs, c'est repris par Henri, mais il perd le disque. On veut qu'il vole, là c'est le joueur qui va s'échapper. Et super arrêt de Beau Soleil! La Burgess est bouchée en une petite empoignade. Donc, le joueur des Bulls qui veut s'en prendre absolument au joueur des Pirates. Il
On va chasser les deux? Moi, ouais, j'imagine que oui. Là. Pendant ce temps-là, j'aimerais inviter les partisans des Pirates pour les deux autres matchs du week-end, Michel, les Pirates qui seront demain du côté à 20h du côté de South Muskoka pour affronter le Shield et un match à ne pas manquer dimanche soir. Là, vous avez le choix entre le match des Pirates contre les Rattlers de Bradford ou le Super Bowl. Moi, je vais opter pour le match des Pirates. Moi aussi. Moi aussi. Donc, il y a des ailes de poulet sur le côté du Super Bowl qui vont pencher peut-être la balance. Non, on n'empêche pas l'autre, Michel. Hein? On n'empêche pas l'autre. Ah, OK. Donc, oui, dimanche soir, là, plus sérieusement, les Pirates qui seront du côté de Bradford, cette fois pour affronter les Rattlers à 19h30. Un gros match, là. Oui, elle n'a pas manqué pour les partisans de hockey. Là. Donc, les Pirates sur l'ordinateur, le Super Bowl sur la télé. Les amateurs de poulet, oui, les ailes de poulet. J'écoute le football juste au Super Bowl, juste pour ça. Juste pour les ailes de poulet? Oui, puis les annonces. Ah oui. Oui, les publicités dans le pendant le Super Bowl. Ouais, on est réputé pour ça. Donc, une belle fin de semaine pour les amateurs de sport à la télé. Oui, on a chassé les deux, Olivier Boucher et Elias Nayam, pour rudesse et retenue. Là, c'est Gagnon à Boucher, à Bourque plutôt. Bourque, le lancer de loin, c'est bloqué facilement par Marquis. Quand on chasse les deux joueurs, c'est qu'on ne sait jamais, là, sur la glace, là, on regarde la partie, « Oh, il a fait ci, il a fait ça, mais... » Ça jase les joueurs ensemble. Ben oui, c'est sûr qu'il peut arriver n'importe quoi. Là. On ne sait pas ce qu'ils se disent, on ne sait pas ce qui se fait. Là. Donc, c'est Chartier. Chartier toujours. Ça va à Dylan Rivière derrière le filet, ça va glisser jusqu'à Chartier, à Gagnon, à Bourque. Bourque fin de lancer, le tourniquet remet vers Gagnon. Mais oui, on conserve dans la zone des Bulls. Gagnon vers... Oh, le... Non, je t'ai pas dit le but, là, mais... Un instant. Ça a passé tout près. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir payé. On vend pas la peau du taureau avant de l'avoir... On va l'avoir tué. Donc, on va tomber à armes égales, la punition des Bulls qui venait de terminer. Donc, 5 contre 5 à 5-23 de la deuxième période. Swallow le lancé. Ça touche un joueur. Un retour. Là, 2 contre 1. Beau jeu en défense de Bourque. Swallow va t'en laisser pour Swallow qui vient rudoyer l'adversaire. Camara qui se relève péniblement. Non, il se relève pas jusqu'à maintenant. Oui, ça relève pas. Deux soirées pour eux. Une mauvaise chute pour Camara, mais ouais. C'était pas volontaire de la part de... Swallow qui est venu compléter sa mise en échec. Un match pour homme ce soir, Michel. Milom. Pousse vers Tarasevic. Tarasevic là, qui n'attendait plus le disque. Pénalité, ouais. Double échec. À M. Bourque. Oui, M. Bourque. Donc, 2 minutes à Hetzenbourg pour double échec à 15-25 de la deuxième période. 4 minutes 35 encore effectuées, dont 2 minutes seront en supériorité numérique pour les Bulls. Oui, monsieur. Camara qui rentre au vestiaire, sa journée d'ouvrage est faite, je pense. Ouais, je sais pas. On va voir si... J'aurais plus eu peur pour sa tête ou le cou, mais il semble avoir... Sprung les côtes, on dirait, je sais pas, là, ouais. Mais non, rien de grave, inquiétez-vous pas, les partisans des Bulls. C'est Patton. Ça va derrière le filet, c'est Coutu. Ça va plutôt vers Alton. Coutu qui bataille avec le 23 Reynolds. Ça va jusqu'à la ligne bleue. Patton qui réclame le 10, lancé de loin. Coutu qui a fait une chute. Ah. Coutu qui est venu rudoyer son adversaire. Ça joue rude. Je me répète, là, mais... Et on renvoie les Bulls jusqu'à l'autre bout. Ça va dans le coin.
sur du disque hyptérien, Patton. Dans la ligne bleue, c'est Hunter, de l'autre côté. Bloqué par Beausoleil qui conserve. Encore 1 minute 5 à la supériorité numérique des Bulls. 3 minutes 40 à effectuer en cette période. Mise au jeu à droite de Beausoleil. La rondelle qui vole jusqu'à l'autre bout. Une minute à faire à l'avantage numérique des Bulls. Et oui, il y avait enjeu là-dessus. Oh, t'es le seul à l'avoir remarqué, toi, puis l'arbitre, parce que les joueurs des Bulls ne l'ont pas remarqué. Non. Mais... on a un peu bloqué le passage aux joueurs des Bulls. Ça l'a... C'est ça qui a provoqué le hors-jeu? Ah. C'est ce que mes yeux ont vu. Oui, définitivement. J'ai appelé Toronto, puis il y avait bel et bien hors-jeu. Il y a de bons contacts à Toronto, toi, Michel. Des fois, tu me donnes tes contacts à un moment donné. Oui, des bons contacts. Voilà, encore une fois, Swallow qui est venu rudoyer son adversaire. Lancé de loin, ça va dévier dans le coin. 3 minutes à faire en deuxième. Booker l'a lancé au-dessus de la cage. Rivière qui avait perdu son bâton, va le récupérer, retourne en portée main forte à son équipe. Bloqué la défense par Lamotte. Très beau bloc shot de Lamotte. Oui, oui. C'est Guimond. On va renvoyer jusqu'à l'autre bout. On a tenté de le plaquer dans le banc de l'équipe. Et là, oh. Oh là, oui. Oh, la superbe but d'Hunter. Oh, le but d'Hunter. Ouais, là-dessus, l'Hunter là, qui a montré son talent à ses mains. Un but, comment dire, en bon français, dans le top corner. Donc, 4 à 3 pour les Bulls. 2 minutes 24 à faire encore en cette deuxième période. Le but accordé à Ryan Hunter, son 111e point de l'année, assisté de Jacob Graham. Ouais. Allez, ça frappe encore une fois devant le banc des Pirates, des Bulls plutôt. Deux mises en échec une après l'autre, et encore une fois, là, ce qui est mort, non. Bousculade, on vient... Les gars au visage. C'est rien. Évite la mise en échec. Il y a de l'action, Michel, je ne sais plus regarder là, partout. Il se passe de quoi partout à chaque fois, je regarde. Oh là, encore une fois, c'est dangereux. Ça va à Brière. Brière, Chartier qui s'amène. Brière, on l'a fait trébucher. Une punition qui sera appelée. Ouais, parce que le gardien qui avait touché à la rondelle, on aurait pu se filer avant ça, selon moi, mais... Les Pirates qui auront l'avantage numérique pour terminer cette deuxième période. Oui, 1 minute 30 encore à la deuxième, donc 30 secondes aussi dans la troisième période. Donc, oui, mais on va tenter de compter en deuxième, Michel. Oui. Oui, oui. Qui était un début à nous annoncer au sommaire, à l'entraide. Là, c'est Bourque. Bourque le tourniquet. Bourque. En passant là vers Brière. De l'autre côté, on visait Rivière. Ça va aller justement à Rivière, à Bourque. Bourque le lancé de loin. Oh, un bon lancé. Bel arrêt du gardien Marquis. On part du côté libéral avec une minute à faire en deuxième. Lamotte.
Amotte, le tourniquet. À Bourque. Ah, la beau genre défensive des Bulls. Il a lancé l'équipe de la cage défensive de retour. Ah, on a raté la cage. Et le... Non, voyons. La rondelle qui était pas arrêtée, qui était pas sifflée. Il me faire avoir encore. J'étais prêt encore une fois à appeler le but. Une pénalité avait été annoncée. Je... Pénalité, oh, annoncée pour double échec, ouais. Aux Bulls. Pour Keegan Darach, pour double échec. Et par la suite, Dylan Henry, la réplique pour Rudess. Ouais. Donc, aucun avantage numérique. Ce sera deux pénalités, pour une pénalité pour chaque équipe. On a remarqué tantôt le but des Bulls, le dernier but des Bulls qui a été fait là, avec un changement. Quand le joueur est allé dans la zone opposée au banc, les changements sont pénibles. Puis c'est ce qui a provoqué le 2 contre 0 des Bulls. 43 secondes à faire dans la deuxième période. Est-ce qu'on s'entend ou est-ce qu'on va prendre la mise en jeu? Oui. Là, la motte est Terrien. La passe pour Terrien. On la perd du disque. Les Bulls qui relancent. C'est Bourque. Bourque embêté. Bourque qui repart. Rial l'a lancé. Oh, bon, lancé. C'est bloqué. Retour qui est libre. En pilade. Le but qui est accordé. Il y avait en pilade devant le filet plusieurs joueurs. La rondelle qui était libre. Le jeu qui n'a pas été sifflé. Donc, le jeu qui s'est poursuivi. On va regarder la reprise. Avec 10 secondes à faire en deuxième période, les Pirates qui créent l'égalité dans ce match. Un but très important là, à ce de la période. Le but accordé au numéro 5, Étienne Bourque, assisté du numéro 27, Jordan Brière et de Gabriel Terrien. Un fort match là, en défense pour Terrien. Et là, on appelle... Oui, la pénalité, il devrait avoir un joueur supplémentaire sur la glace. Coach, je suis à la game. C'est bouché. Swallow, la passe au centre. Alors le bugulateur à Étienne Bourque. La période se terminerait comme ça. Donc 4 à 4. On n'a pas rien gagné la première période. C'est encore égalité. Donc dans cette deuxième période, les Bulls ont ouvert le pointage pour assister 3 à 2. Donc, à 8 minutes 12. Voyons, j'ai tombé de la misère, moi, là. Blablabla. OK, ça vient de se passer. Le but comptait à 8 minutes 12 secondes. Issa Patton, assisté de Jacob Graham. Par la suite, la réplique des Pirates à 9-29, tout de suite après, par Olivier Lamotte, Jordan Rivière et Étienne Bourque. Olivier Lamotte, son tour du chapeau, d'ailleurs. Et par la suite, le but de Ryan Hunter, le quatrième des Bulls. À 17-36, assisté de Jacob Graham et le dernier qui vient d'être compté à 19-50, à 10 secondes de la fin de la période, par Étienne Bourque, assisté de Jordan Brière et de Gabriel Terrien. Donc, 4-4 de retour dans quelques instants.
voulons te donner un maximum d'encouragement pour notre lanceur de ce soir, Raymond Lachapelle. De retour pour la troisième période, 4 à 4 après deux périodes complètes de jeu, Michel. Un match enlevant ce soir, les Bulls de Bradford qui offrent toute une opposition aux Pirates ce soir. Oui, le message devait être clair d'un côté comme dans l'autre, dans la chambre, les coachs, c'est 4-4, on veut un but, puis on veut la victoire. Les deux équipes veulent la victoire, donc un très beau match. Du côté de nos voisins du Sud, c'était 6-0 pour les Pirates. Je ne sais pas du côté des titans, je ne sais pas si M. Harrison a trouvé ses 7 joueurs manquants en dessous d'une roche, mais ça fonctionne son affaire à soir. Donc, on va souhaiter bonne chance à nos deux équipes du Finissier-Mang ce soir pour la victoire. Et on n'a pas encore le portrait des Vinciles des séries, mais on y sera. Alors, c'est passé en troisième période. Et Michel, on peut confirmer à nos spectateurs que nous serons de la partie, toi et moi, pour la totalité des séries éliminatoires. Alors, c'est parti en troisième période derrière le filet de Beausoleil. C'est Terrien. Terrien qui est rudoyé dans le coin. En début de période, la rondelle qui colle partout oui, sur la glace. Oui, oui. Engler des Rattlers, des Bulls plutôt. Là, c'est Brière. Brière seul de son camp. Évite la mise en échec, reprend le disque. La passe était vers Chartier. Chartier vers Gagnon. Le lancé au-dessus du filet, repris par terre vers Brière. La rondelle qui est sautillante, ça va dans le coin. Gagnon qui est venu mettre son joueur en échec, un bon lancé de Chartier. Alors les Pirates là, qui sortent avec le couteau entre les dents en troisième. Dans cette première minute de jeu. Alors, du côté des Beaux, on repart de l'autre côté. Devant Beausoleil qui envoie la rondelle dans le coin. Brière, il en a fait une chute. On n'a pas fait une chute, on l'a frappé. Et, Brière qui se pogne le genou un peu. Et la rondelle qui touche le plafond pour provoquer l'arrêt de jeu. Donc la mise au jeu se déroulera à droite du gardien de but, Beausoleil. On envoie les Pirates dans le fond de la zone. Ça ne passait pas d'un bord ou de l'autre. Intercepté par les Bulls. On renvoie les Pirates en fond de zone encore une fois. Et là, encore une fois, ça a pu être dangereux. Les Bulls, lancé de loin, bloqué par Beausoleil qui conserve. Oui, il y avait beaucoup de trafic devant Beausoleil. Ouais. Il y avait la visibilité pas mal réduite. Oui, oui. C'est reparti. À la ligne des Bulls. Derrière le filet de Beausoleil, la rondelle qui circule. Bourque avec le disque.
Le milieu des Bulls est lancé de loin, Seth. Donc ça reste en jeu. Encore une fois, on bataille pour le disque, la rondelle dans les patins. On se bouscule, on tente de faire sortir la rondelle, c'est la motte. Vers Henri. Là, c'est Bourque. Bourque évite. Il y avait trois joueurs à ses trousses. Ah! Le retour, là, les Bulls qui en ont profité. Très beau jeu de Garner qui a profité là, d'un déplacement du gardien. Oui. Ils ont d'un côté pour compter. Donc, Garner. Donc, le but est accordé à Connor Gardiner et assisté de Jonathan Thompson à 2 minutes 30 de la troisième période. 5 à 4 pour les Bulls. Dans le coin. Tarasevich, on vient de mettre en échec. Les Bulls qui renvoient les Pirates dans le fond de zone. Swallow. Il évite la mise en échec de Thompson. Rondelle qui vole dans le filet protecteur et provoque l'arrêt de jeu. On profite pour en faire des changements du côté des Bulls et du côté des Pirates aussi. Du côté des Pirates, il ne faut pas s'avouer vaincu. On le sait, Michel, c'est arrivé souvent cette saison qu'on a marqué des buts dans les dernières minutes pour créer l'égalité ou des fois même l'emporter. Donc, tout n'est pas joué encore, 16-55, encore beaucoup de temps à faire en troisième. Et jusqu'à maintenant, ce soir, c'est à qui mieux là, d'un bord et l'autre, on s'échange les buts. Oui, habituellement, le but sur un bord, un but sur l'autre. Donc, on verra pour la suite des choses. Gagnon vers Brière. Brière mis derrière pour Chartier. Lancé de loin qui rate la cible. Ça va jusqu'à Terrien. On renvoie vers Gagnon. La rondelle dans les patins. C'est les Bulls qui s'en emparent. On vit la longue passe par Power. Oh, bel arrêt de Beausoleil qui résiste du bloqueur, mesdames, messieurs. Un contre un gagné par Beausoleil. Oui, monsieur. Alors oui, c'est 5-4, là, mais Beausoleil qui n'a rien à se reprocher dans ce match-là a été solide à plusieurs occasions. Et on siffle le dégagement refusé. On retourne donc les Pirates dans leur zone pour la reprise du jeu. Intercepté par Boucher, la passe, c'était vers Chartier. C'était plutôt dans les patins. Chartier à passe du verre qui renvoie à Boucher. Pour Gagnon. Gagnon au centre, mis à Chartier. Chartier évite la mise en échec. On l'a un petit peu fait briller. Oh, bel arrêt là-dessus là, du gardien. Hey, on a changé de gardien, Michel, non? Non, les pads. Non, okay, c'est bon. On dirait que. Alors, c'est bien marqué. Couture intercepte de la main. Dans le coin, c'est revenu. C'est revenu, mais personne qui est pirate qui a pu s'en emparer. Les Bulls qui sont partis. Le tourniquet, on visait la passe vers le 21. On visait la passe, la longue passe vers Henri, ça a été intercepté. La rondelle qui va dans le coin. Rivière, on fait perdre le disque.
Derrière la filet de Beausoleil, cette fois, on va chasser Bourque qui est dans tous ses états, là. Alors, en ce moment, Michel, 137 personnes qui nous écoutent, donc une bonne assistance qui nous écoute. Donc, merci d'être avec nous encore ce soir. On est content de vous avoir avec nous. C'est pour vous qu'on fait ça. 5 minutes à Étienne Bourque pour conduite antisportive. Voilà. Donc, bon, ouais. Tout est dit. Oui. Mais non. Non, non, tout à fait raison, Michel. Rien de rajouter. Je regarde la reprise, mais je ne la vois pas. Six minutes. Donc on va peut-être le revoir avec quand il y aura 4 minutes et demie à faire en troisième. Un moment crucial, s'il en est un. Swallow la passe avec le patin. Là, c'est Hunter du côté des Bulls. La motte au centre à Henry. Petite zone réussie. Ça va aller jusqu'à des îlets. Les Bulls qui repartent en attaque. Beau jeu là, de Lamotte. Du côté des Pirates, on aurait quand même une punition. Ouais, c'était limite du bâton élevé là-dessus. Là. Et les partisans des Pirates qui se font entendre, qui manifestent leur colère, si je peux dire. Ah, la Rivière qui est venue rudoyer un joueur, il sera chassé. Des Bulls qui restent étendus sur la glace. Ouais. On a Vicky là, qui s'amène en renfort. Oui, le soigneur des Pirates qui va rejoindre le soigneur des Bulls. Alors, les jeux qu'on n'aime jamais voir, là, des joueurs étendus sur la glace comme ça, là, peu importe l'équipe. Non. Mais peu importe l'équipe, le niveau et ce qui s'est passé avant dans le match. Là. On va souhaiter que ce soit plus peur que de mal dans le cas du joueur des Bulls. On sent là 13 minutes 38 à faire en troisième. Les Bulls qui ont les devants 5-4. Et donc, comme je disais tantôt, Michel, ça a été confirmé aujourd'hui. Nous serons de la partie, toi et moi, là, pour les séries éliminatoires tout le long du parcours des Pirates. On sera ici pour les matchs de 2023. Oui, 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 donc... C'est un rendez-vous, mon cher ami. Allez, les voyages dans le sud. Des, oui. Ben oui, parce que les séries vont se dérouler à Témiscamingue. Oui. Donc, on verra bien jusqu'où les Pirates se rendront cette saison. On leur souhaite la meilleure des chances, évidemment. On va procéder à... Ouais, le joueur va sortir... On vient le retourner sur le dos.
On va avoir une soirée pour vente là, du côté des blessures, des deux côtés. Là, on a... Donc, le match était le gardien Marquis qui a été rudoyé. Là. Cette fois, c'est un joueur qui vient de s'asseoir sur la glace. Le joueur qui est de retour sur ses patins, semble ébranlé par contre, mais on va le reconduire vers le vestiaire. Ah oui, mal en point, on doit l'aider là, à se rendre au vestiaire. Là. Bon, j'ai pas vu, Michel, si c'est le joueur 2 ou 3. Là, donc, 3. 3. Donc, Jacob Graham là, qui a été reconduit vers le vestiaire. On va dès qu'on a des nouvelles, on vous en donne pour les partisans des Bulls. Donc, plus un jeu dans la zone des pirates. C'est reparti. Hunter à la pointe. Donc, c'est Rivière qui est chassé 2 minutes pour, on dit, double échec. Retour qui est soutien. Encore une fois, on appellera une punition. Bâton élevé. Ça semble être Gilina qui se recherche. Gilina ou Rivière. Les deux joueurs qui se regardent. On le sait plus. Gilina qui on dirige aux bonnes punitions. Je veux dire, comme une personne d'un certain âge disait au tournoi intermédiaire à Gig, en fait, ça ne passe pas là, 3 semaines. Laissez-les jouer, tabarouette! Laissez-les jouer! Oui. Arrêtez de donner des punitions. Donc, c'est reparti. Gagnon qui pousse pour lui-même. Gagnon. Ah, la rondelle qui n'a pas suivi. Le lancer, ça touche. Oh, le retour de l'air! Et la seule mise en échec de Gagnon. Un joueur d'une grande intensité, Gagnon. Ça a vraiment été un joueur important cette saison. Un joueur que je ne connaissais pas avant cette saison qui m'a bien impressionné. Un joueur qui nous arrive des Forestiers. Alors, 5 contre 3 pendant ce temps-là pour les Bulls, qui sont déjà en avance d'un but. Encore une minute au 5 contre 3, avantage des Bulls. Oh là, le beau soleil qui sort la mitaine, Neptune. 50 secondes encore pour le 5 contre 3. Par la suite, 12-28 à la troisième période. Alors là, ça va jusqu'à numéro 9 qui remet à sa ligne bleue. Toucher les patins sur l'eau, beau petit. Passe avec la main, c'est un défensif, on a le droit. Non, mais il a perdu son gant, des fois c'est dangereux, les patins, ses doigts, là, c'est où? Donc là, c'est les Bulls en attaque. Patton. Dans le coin, a freiné, a vu Swallow qui s'approchait. Briard qui renvoie jusqu'à l'autre bout. On va faire des changements. 3 nouveaux joueurs qui vont s'approcher sur la glace. C'est Coutu, Lamotte et Terrien. 10 secondes à la pénalité des Pirates. À l'une des pénalités. Oh, là, ça a raté le filet. Coup dessus jusqu'à l'autre bout. 2 secondes à la première punition, 24 secondes à la deuxième. Donc, 5 contre 4 maintenant pour les Bulls. La Rivière qui se retourne sur la glace. La motte en poursuite du disque. Contre 5 maintenant. Et là, c'est Rivière qui va s'amener. Rivière, il n'a pu s'échapper. Donc, il est toujours dans la zone des Bulls. Alors là, cette fois, c'est les Raptors qui seront chassés, je crois. On a porté les gants au visage de la motte. On va voir l'arbitre, oui. Pénalité aux Bulls. On a porté les gants au visage directement de la motte là, pour l'empêcher de passer. La pénalité au numéro 12, Linus Kalenvik, pour avoir donné du coude. Ah, t'as dit deux coudes? Ah, il n'a pas juste donné des gants, il a donné du coude. Les coudes qui ont suivi les gants? Oui, oui, oui.
Alors, la motte, Henri, Brière, Rivière et Boucher sur la glace. Ça va à Boucher. À la ligne bleue, Boucher. À Brière. À Boucher. Boucher vers Henri, la rondelle d'étudiante. Et un. Boucher qui récupère en zone neutre. Ça part jusqu'à Brière, envoie du revers, mais ça ne trouve pas preneur. Ça touche Henri. Quel jeu! Après, comme au hockey mineur. On sort les douches! On sort les douches, ouais. Et alors, on va les pirates jusqu'à leur zone, en fond de zone, la motte derrière son filet. 10 minutes 17 à faire en troisième période. Les Bulls à l'avant 5-4. Les pirates qui vont tenter de créer l'égalité. Brière freine. La passe derrière pour la motte. Ouais, encore une fois, les pirates, je crois qu'ils seront chassés. Et on peut sentir la frustration des joueurs des Pirates là. Alors qu'on a un avantage numérique qui va s'arrêter drette là. Et on reprendra même le jeu dans la zone des Pirates évidemment. Gagnons la mise en jeu devant Hall. Donc, la pénalité numéro 27, Jordan Brière, pour avoir fait trébucher à 10 minutes de la troisième période. Rien à l'entrée de zone, on lui bloque le chemin. Les Bulls, on organise l'attaque. On envoie ça en haut lobe du revers, dans le fond de la zone. C'est Chartier. Un joueur assez trousse. Fait demi-tour, envoie du revers jusqu'à. Ça, c'est Désilet. La passe au centre pour Gagnon, ça lui échappe. Au centre, c'est Boucher. Boucher. Lancé, ça dévie dans la baie vitrée. Hein? Oui, ça va sonner plus baie vitrée que filet. Alors 9-0-4 à faire en troisième période. 7 secondes avant la supériorité numérique des Bulls. Dans le coin. Gardiner, c'est loin, c'est Swallow. Il va se méfier du joueur. Ça veut dire aussi que cette game-là n'a aucun impact sur le classement de la saison. Là. Non, parce que les deux équipes qui sont pas dans la même division en partant, mm-hmm. C'est sûr que c'est des points de plus qu'on aurait pu avoir pour les Pirates, mais on est, comme on dit, assuré de la deuxième position. Oui, mais même la deuxième ne peut pas changer. Là. Encore une fois, là, je sais pas ce qui se passe dans le coin. Là. Boucher et un autre joueur là, qui en a perdu son casque. Bon, l'action jusqu'à la fin, Michel. Je l'avais dit, je l'avais prédit qu'il y aurait de l'action jusqu'à la fin. Alors, où est-ce que le jeu va reprendre? Je crois que ce sera en zone neutre, près de la zone des Bulls. Ou près de la zone des Pirates, plutôt, hein? Dans la zone neutre. Dans la zone neutre. Alors, bon jeu de mille-hommes. On va les Bulls jusqu'à l'autre bout. Alors qu'il reste 16 secondes à faire l'avantage numérique des Bulls. Et on ferait un bon duo chanteur, Michel. On était synchro, là. Ah oui, on préfère un jeu. OK. On va faire le vœu d'une victoire des Pirates, Michel. Ah, le Brière, la rondelle qui va dans les airs. Mille-hommes qui a tenté de s'en emparer. Vas-y. Il
Alors, c'est Guimond derrière son filet. Guimond, il fait perdre le disque. Ça va aller à coup dessus. Coup dessus pour Brière. Ah, c'est intercepté par les Bulls. On le rassarade du côté du filet de Beau-Soleil. Une fois, là, les coups d'épaule dans le coin. Brière, seul. Brière, oui, une belle feinte. Une deuxième, Brière, toujours Brière! Ah, je l'enjeu sur le gardien, là, passe vers Rivière. Là, c'était vers Chartier. Le jeu qui s'anime dans la zone des Bulls, les Pirates qui vont tenter de marquer. Et là, on a tenté le long jeu. Boucher. Boucher en zone neutre. Boucher en zone des Bulls. Contourne un joueur. Lancer, frapper le gardien. Ça va dans le coin. Ça va jusqu'à Boucher. Bulls, ça frappe la baie vitrée au-dessus de la tête de Beau-Soleil. Brière. Brière. Ça a frappé les jambières de l'adversaire. Encore là, beaucoup d'intensité dans cette troisième période. 6-26 à faire. Lamotte. À Desilets. Desilets toujours. On dit qu'il va dans les airs. Desilets qui s'en empare. Remet à Rivière. Devant pour Henri, là, 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 bel arrêt de la jambière là-dessus, là. Très Marquis qui a été solide, oui. On va lui donner crédit à Marquis là-dessus. Alors, les Pirates qui sont menaçants, Michel, 6 minutes plus vite à faire. Donc la mise au jeu qui sera à la droite du gardien Marquis. 6 minutes 8 à faire en troisième période. Là, ça va aller, on va tenter s'échapper. Deux joueurs qui marquent le bel arrêt de Beau-Soleil. Très belle échappée du joueur des Bulls, Thompson. Thompson, oui. Une très bonne vitesse. Donc 6 minutes exactement à faire en troisième période. 5-4 toujours en faveur des Bulls. En zone neutre, on évite oui. L'enjeu de justesse, Lamotte qui était déjà entré. Henri toujours. Henri pousse plus loin, ça va à Patton. Renvoie les Pirates dans leur zone. Beau-Soleil qui sort. C'est foutu derrière son filet. La passe vers Henri. Henri toujours. Par la bande, ça va jusqu'à Swallow. Le long, le haut, revers. La ligne bleue, c'était rien. On renvoie les Bulls en fond de zone. Alors Michel, t'as super? Je pensais qu'il dégageait par la bande. Touché, là c'est Tarasevic. Tarasevic entrée de zone, Tarasevic est lancé de loin. Facilement bloqué par Marquis qui conserve le retour. 4-31 à faire en troisième. Donc la mise au jeu qui se fera à droite de Marquis. 4 minutes 31 à faire encore en troisième période. On y va avec Gagnon, Chartier et Brière à l'attaque. Arrêté pour Boucher en zone neutre. Les Bulls s'en emparent, tentent un lancer du côté de la mitaine de Beau-Soleil. Repris par Chartier à Brière au centre. Brière qui tente de rentrer, mais la défensive des Bulls est implacable.
Terrien qui reçoit la mise en échec. Les Bills qui renvoient dans la zone des Pirates. Repris par Boucher. Qui lance pour un dégagement, mais malheureusement, aucune personne ne pourra le recevoir. Le jeu derrière. Le but des Pirates. Oups. Non, ça va. Repris par Coutu. Par un joueur des Bulls. Repris maintenant par Terrien. Brière. Brière à Chartier. Ça se bataille dans le coin. À Gagnon. Qui a tenté un tir sur réception. Il a manqué son coup. Le retour à Bourque à la défensive. Les Bulls réussissent à faire une sortie de zone. Bourque qui rentre. Malheureusement, Marquis avait fermé l'ouverture. De retour dans le coin, Bourque. À Lamotte. Arrêté par Down. Maintenant derrière Hunter. Repris par Lamotte. Oui. C'est bon, merci Michel. 2,50 à faire en troisième. Alors, on va tout tenter du côté des Pirates pour tirer l'égalité avant la fin du match et pousser le match en prolongation. 2 minutes 50 à faire en troisième période. 5 à 4 pour les Bulls. On va être sautier à honte, ça va rien. Là, c'est loin. Et là, Henri. La rondelle encore qui vole. Ça va aller jusqu'à Boucher. Boucher vers Lamotte. Lamotte renvoie la rondelle derrière. Et là, Henri. Henri veut reprendre son bâton. Là, c'est Hunter du côté des Bulls. En zone neutre, Henri. Dans les Hunter qui renvoient là jusqu'à Beausoleil. Beausoleil qui décide de conserver le disque. Encore une fois, le Boucher. Et cette fois, là, on en a assez, les deux joueurs. On dit, oh, c'est beau. Salut, mon homme. On se reverra en série. Donc, Michel, j'ai pas vu beaucoup de matchs du Sud, mais les Bulls qui vont être des sérieux prétendants dans le Sud, selon moi. Oui. Une bonne équipe, là, écoute, à avoir. Comme je te dis, j'ai pas vu, à part les matchs que les Pirates ont disputés plus tôt cette saison, les deux matchs, j'avoue que j'ai pas vu beaucoup de matchs du Sud, donc je pense que les Bulls, s'ils ont une si bonne position contre les Pirates, devraient avoir des bonnes chances dans le Sud, là, ça sera à voir. Et comme on dit au hockey, hein, il y a toujours des surprises en première ronde. En série, tout se passe à l'as. Exactement. Le Boucher. Est-ce qu'on va retenter. Oh non. C'est pour dire, est-ce qu'on va tenter de retirer Beausoleil dans les prochaines minutes avant le. Il va falloir le sixième attaquant, mais pour ça, il faut être dans l'autre zone pour faire ça. Rivière. 1,53 à faire. Et là, cette fois, le jeu qui se déroulera dans la zone des Beaux. Est-ce qu'on choisira de retirer Beausoleil? Oh, Soleil bon qui s'avance. Bon. Attends les indications. Le soleil qui s'avance. La rondelle qui est libre. Le jeu qui est bon, là, ça va être Bourque. À Chartier. Chartier. Chartier toujours, pousse plus loin. Et cette fois, Beausoleil qui a quitté le filet. On est joué à 6 joueurs. C'est Henri, le 6e joueur. Oh, ça a raté de peu et on reprendra donc avec une 21 à faire dans la zone des Bulls. Dans la zone des Bulls. 1 minute 21. Donc, plus de gardiens. Et c'est ce qu'on dit du côté des Bulls, là, on signe aux joueurs là, qu'il est temps d'arrêt, est-ce que c'est les Pirates? Donc les Pirates qui demandent un temps d'arrêt. Je voulais juste vous vérifier dans le sud si ça a une incidence sur le classement. Les Bulls qui sont troisième en ce moment. Là. Oui, ça a une incidence pour eux autres. Là. S'ils ont une victoire ici, ils devancent les Rams. Le Rams, oui. OK, c'est pour ça, le couteau entre les dents. Bah, ben, hey. Ah, nos amis il y a un enjeu à la partie. Nos amis de Saint-Georges qui sont cinquième. Mes amis des Ravens. Ah, ça, c'est les coups c'est... d'Internet? Oui, les coups d'Internet, ça, c'est mes amis des Ravens. Moi et Sylvain, on a des beaux souvenirs à Saint-Georges.
Donc, une 21 à faire, les Pirates là, qui vont tenter de créer l'égalité 5-5. Oui, les Bulls pourraient devancer du Rams, justement, pour la deuxième position et mieux se qualifier pour les séries. Rivière, la rondelle, Lamotte, en Chartier, vers Brière. À Bourque, à Rivière. Rivière toujours, ça va à Chartier, Chartier lancé. Alors, c'est 5-5, Michel. Alors, est-ce que les Pirates vont faire le coup sur son avec la victoire encore ce soir, Michel? Le but qui est accordé à Mathis Chartier, assisté de Jordan Rivière, à 18-56 de la troisième période. Alors, un but extrêmement important. La stratégie d'enlever le gardien, Michel, qui a été payante. Chartier qui récupère son ballon, on évite l'enjeu. Secondes encore à faire en troisième. Les Bulls qui vont tout donner pour finir en temps régulier. Pas fini, tant que c'est pas fini, Michel. Les bons vieux clichés du sport. Plutôt. Et quand on veut, t'es let's over, lac des saves. Gagnon, faire rouler rondelle. Et là, c'est Hunter du côté des Bulls. Repris par Chartier. Chartier encore. Encore une fois, les coups d'épaule. Sa bataille pour le disque. Les dernières secondes. C'est ce qui mettra fin au temps réglementaire. 5-5 après 60 minutes de jeu à l'aréna. Frère Arthur Bergeron, les Pirates qui ont créé l'égalité. Les Bulls qui s'en tirent quand même avec un point. Oui. Bon, donc, OK, ils ont ce qu'ils voulaient. Ils devancent les Durams. Excellent. Donc, le temps supplémentaire. Donc, toute une fin de match, Michel. À 4 contre 4. Alors, voyons. Donc, une petite pause de 5 minutes pour permettre aux joueurs de reprendre leur souffle. D'un côté comme de l'autre, les gardiens peuvent recevoir les consignes, les joueurs. On prépare le plan de match. À 4 contre 4, il y a tout le temps plus d'espace à la glace, donc les jeux peuvent se préparer plus un peu. Ouais. Donc, on a eu droit à tout un match ce soir et toute une fin de match spectaculaire. Merci Chartier qui joue les héros. Créer de l'égalité avant la fin du temps réglementaire. Donner des émotions aux partisans et aux commentateurs, analystes que nous sommes, Michel. À mon âge, je n'ai pas bon impression, ces affaires-là. Oui, j'ai entendu crier. Alors, on a maintenant Lamotte et Rivière en attaque. Boucher et Terrien à la ligne bleue. La force de frappe des Pirates. Alors, mes partisans dans la section I. On regarde Hunter pour le prochain chiffre. Alors, beaucoup d'ambiance, les spectateurs qui se manifestent, c'est ce qu'on veut. C'est parti pour le surtemps. À la zone des Bulls. Lamotte a bouché. Boucher revient à Lamotte. Lamotte va tenter de rentrer de zone. Tente de se positionner. On voit ses défenseurs. À Terrien.
Rivière, Kalvudix. Booker. Bon, une montée 2 contre 1. 2 contre 2 maintenant. Oh! Obstruction sur le gardien. Pénalité aux Bulls. Obstruction sur le gardien et... Pénalité des deux côtés. Pénalité aux Bulls pour obstruction et aux Pirates. Josh Book pour obstruction et aux Pirates pour double échec à Olivier Boucher. Donc on évoluera tout de même à 4 contre 4. Oui. C'est Bourque, Bourque en entrée de zone. Bourque toujours. Bourque. Il fait perdre le disque. Bourque qui le reprend immédiatement à la ligne bleue. Il évite leur jeu. Bourque. Lancez. Ah, ça a raté tout près. On a tenté le long jeu du côté des Bulls. Et le jeu qui se poursuit. C'est Bourque avec la rondelle. C'est Brière. Brière, le tourniquet. Mathieu Chartier pour la victoire! La victoire des Pirates! Alors, victoire des Pirates, le but égalisateur et le but de la victoire à Mathis Chartier, Michel. Le but toute une fin de match. Le but égalisateur et le but de la victoire de Mathis Chartier, assisté de Fernand Brière et de Taylor J. Swallow. Alors, victoire in extremis des Pirates ce soir. Il perdait avec quelques instants à faire en troisième période. Mathis Chartier avec un doublé qui vient donner la victoire aux siens. Les étoiles du match. La troisième étoile, le numéro 20, Capitaine. Alors, on a lancé trois étoiles. La troisième, Gabriel Therrien. Fort match en défensive. Devinez qui sera la première, mesdames, messieurs. Et enfin, auteur de deux buts dans celui de la victoire, la première étoile mondiale en numéro 91, Mathis Chartier! Alors, c'est ce qui met fin à ce match en levant. J'espère que vous avez apprécié à la maison. Vous étiez plus d'une centaine à nous écouter. On vous donne rendez-vous pour les séries éliminatoires, là, à vérifier. Regardez la page Facebook des Pirates pour les détails. Il reste encore quelques matchs. Et c'est en fin de semaine, deux matchs sur la route. Un très beau match de la part des Bulls aussi. Oui, oui, on donne crédit aux Bulls qui ont été. Félicitations. Oui. C'est un excellent match. On n'enlève rien aux Bulls là, qui ont été un excellent match. Donc, comme vous disiez, soyez à l'affût sur la page Facebook des Pirates là, pour le rendez-vous des séries éliminatoires. Francis Prudhomme, Michel Sebourin et Sylvain Marcotte, on y sera pour vous décrire l'action. Donc, merci, bonne fin de soirée et go Pirates, go! Bonne fin de saison, tout le monde.